Bienvenue sur Français Facile Tube. Voici une liste des expressions figées très utilisées en français. Être haut comme trois pommes. Cela veut dire être très petit. Cette expression est utilisée souvent pour décrire un enfant. Avoir le bras long. Cela veut dire avoir beaucoup d'influence ou de relations. Coûter les yeux de la tête. C'est lorsqu'on parle de quelque chose ou quelqu'un qui est très cher. Casser sa pipe. Cela signifie mourir. Chercher midi à 14h. C'est rendre les choses plus compliquées qu'ils ne le sont. Donner sa langue au chat. Abandonner une devinette ou une question parce qu'on ne connaît pas la réponse. En mettre sa main au feu. Ça signifie être sûr de quelque chose. Faire chou blanc, cela signifie échouer. Faire la pluie et le beau temps, c'est-à-dire avoir beaucoup de pouvoir et d'influence sur une situation. Jeter l'éponge, c'est-à-dire abandonner. L'habit ne fait pas le moine. Ça signifie qu'on ne peut pas juger quelqu'un uniquement sur son apparence. Mettre la charrue avant les bœufs. Cela signifie faire les choses dans le mauvais ordre. Ne pas être sorti de l'auberge. Ça veut dire avoir encore beaucoup de difficultés à surmonter. Passer l'arme à gauche. Ça signifie mourir. Poser un lapin à quelqu'un. Ne pas se présenter à un rendez-vous sans prévenir la personne qui vous attend. Prendre ses jambes à son cou. Cela veut dire fuir rapidement. Savoir sur le bout des doigts. C'est connaître parfaitement quelque chose. Tenir la chandelle. C'est assister à une situation sans y participer activement, souvent en présence d'un couple. Tirer les vers du nez. C'est chercher à obtenir des informations de quelqu'un qui ne souhaite pas les divulguer. Vendre la mèche. On dit ça pour quelqu'un qui révèle un secret. Voir midi à sa porte. Cela signifie interpréter les choses selon son propre point de vue ou ses intérêts. Avoir d'autres chats à fouetter. Cela veut dire avoir d'autres préoccupations, d'autres choses à faire. Mettre son grain de sel, c'est-à-dire donner son avis sans que l'on l'ait demandé.